Hey, salut à tous les amis, c'est Kirzol, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Granny les gars. Ça fait un moment qu'on en avait pas fait les gars, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et je m'en excuse mais les gars, là c'est la reprise aujourd'hui. Je reprends les vidéos à partir de maintenant, donc on va faire comme avant. Une vidéo par semaine, les week-ends, le samedi je pense. Bon, aujourd'hui on est dimanche parce que bon, j'ai été déter ce soir de la faire. Donc bah les gars, on va pas perdre de temps. Le jeu, je vais le découvrir avec vous parce que les gars, on a fait Granny 1, Granny 2 et là les gars, bah pourquoi pas attaquer Granny 3 les gars. Il est sorti il y a un bail déjà mais je l'ai jamais ouvert les gars. Je vais le tester en même temps que vous allez le voir les gars. Donc je vous dis à tout de suite les gars, j'espère que ça va être bien et bonne vidéo à tous. Ok, donc ce qu'on peut voir, comparé du Granny 2 et du Granny 3, c'est que les graphismes sont totalement différents. Et comparé aux deux autres, genre, les salles n'ont plus rien à voir. Parce que comparé au Granny 1 et au Granny 2, les pièces se ressemblaient. Ils étaient carrément dans les mêmes pièces, mais là on est carrément sous la terre. Donc c'est vraiment super bien fait, je trouve, comparé aux autres. Ok, donc c'est fermé à clé, donc on va essayer de trouver un truc qui peut traîner ici, qui pourrait peut-être nous intéresser. Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Non, il n'y a rien. Mais comment on peut faire pour sortir? Mais wesh! Mais dès le... Non mais les gars... Non mais les gars, dès le spawn... Mais dès le spawn... Mais c'est quoi? Donc on va le garder, je sais pas si on peut le garder par contre, ça a l'air de rester dans notre inventaire. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cet endroit. Ok, donc on est au sous-sol apparemment, on est dans des caves bizarres. Là on peut rien faire, je pense qu'il faut un livre comme le 2. On ira voir ça plus tard, quand on trouvera un livre on ira directement ici. Ok, donc bah on a pas... Putain, non mais les gars direct là, c'est sérieux. Oh putain, il y a une étagère là. Les gars, mais les gars, mais... Pourtant, je suis en mode facile, hein. C'est aberrant. On va voir si elle est partie ou pas. Non, elle est juste devant, là. Je vois sa batte. C'est elle? Elle a posé un piège, je crois. Elle a posé un piège au pire endroit, surtout. Non, mais j'aime pas. Attends, est-ce que... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais enlever ton piège, s'il te plaît? Parce que vraiment, là, t'as mis ton piège au vraiment le pire endroit possible. Non, en fait, c'était pas du tout sa batte. C'était quoi? Un coffre? Ok, un coffre. D'accord. Fermé à clé. Mais wesh! Mais c'est quoi ça? Oh non, c'est une alarme. Putain, casse-toi. Putain, on dirait le truc dans les télétubbies. Mais c'est un nouveau truc, en plus ça fait du bruit. Je crois que ça a pas l'air dangereux, mais par contre ça fait du bruit et ça attire Granny. C'est quoi ce Granny là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais en vrai, ce Granny a l'air d'être beaucoup mieux fait que les autres auxquels j'ai joué. De comparer au 1 et au 2, ouais, ça a rien à voir. On va attendre un peu parce que là, elle a pas l'air d'être décidée à venir. Ok. Oh, ça m'a l'air pas mal, je crois qu'on peut... On va éviter d'y retourner, on va directement passer par là, il y a l'air d'avoir une entrée. La putain de ta mère, la patate. Casse-toi, tu m'as pas vu. Non, la vie de ma mère, tu m'as pas vu. Wesh. Vous m'expliquez ce qui s'est passé là? J'ai vraiment... Non mais les gars, c'était quoi ce bordel? Je me suis fait agresser de tous les côtés. C'est qui la... Déjà, c'est qui la madame bizarre là? Je vous avais expliqué au début, je crois que c'est la fille de Granny et de Grandpa. Mais Eh les gars, ok. Oh, je suis passé par là tout à l'heure? Non, je crois pas. Hein. Y'a quoi là-haut? Y'a une porte? Y'a rien de... Mais wesh, m'arrête de me casser les couilles, toi! Sacre mère! Oh, ok. Déjà, la musique, tu... Ok, d'accord, j'ai dit la musique, tu m'as calmé, mais j'ai compris pourquoi il y avait la musique, en fait, il y a cette grosse folasse, là. Ok, mais d'accord, ok, il y a un extérieur, ça, c'est déjà pas mal. Il y était dans Granny 2, l'extérieur, stone. Et on a une pièce.
On avait, il n'y avait pas d'extérieur comme ça dans Granit 2, donc c'est quelque chose de complètement différent. J'ai besoin d'une clé. Ah ouais, par contre là, on retrouve encore cette magique machine à couper la tête des gens. Les gars... Pourquoi je meurs comme un mongol comme ça? C'est aberrant. J'arrête pas de mourir sans aucune raison. C'est... Waouh. J'avais même pas vu qu'il y avait ça, sérieux. Ok, donc les gars, là, on va vraiment essayer de... Là, cette première vidéo, ça va être déo, genre, découverte. Genre, on va visiter un peu toutes les pièces pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, on va essayer de... Dans une prochaine épisode, parce qu'il y aura sûrement deux... La vie de ma mère, elle m'a vu, là. Si elle m'a pas vu, c'est vraiment... Elle est aveugle. Salut, beauté. Ça va, beauté? Est-ce que tu me... Non, tu ne m'as pas vu. Ah, tu sais que t'as de beaux yeux, hein. J'aime tes yeux. Allez, casse-toi. Putain, mais... Il est en fusil à pompe. D'accord, ok. Gampa en fusil à pompe, maintenant. Du coup, je veux pas sortir. Enfin, je suis bien, là, tu vois. Genre, il y a la place de mettre un lit, tu vois, c'est un appartement, tu vois. Alors, ok, donc là, on peut aller sous les canapés, ce qui est vraiment pas mal. Ok, ça, c'est quoi? Recharge de fusil à pompe. On l'a pas pour l'instant, donc il va me servir à rien. Hop, 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 tu crois que je t'ai pas vu? Héhéhé. Ça veut dire qu'elle est dans le coin, du coup. Ouais, elle est clairement là, mais oui, 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 elle est clairement là. Dépêche-toi, par contre, tu cours à deux à l'heure, ça me plaît pas du tout, mec. Sérieux, il y a une mamie qui court derrière, hop, la cacher. Donc, ok, donc on a vu, il y a un sous-sol, on a vu le premier étage, mais je sais pas, par contre, s'il y a un autre étage. On le verra après, ça. Pour l'instant, on va déjà essayer de voir un peu ce qu'il y a dans cet étage. Tu ne m'as pas vu, beauté, tu ne m'as pas vu. Non, tu ne m'as pas vu. Hein, que tu ne vas pas du tout rentrer dans cette pièce. Ok, c'est bon, elle a pas l'air de rentrer dans cette pièce, c'est carré. Mais ouais. Oh non, là elle m'a vu, elle m'a clairement vu. Non, non, tu ne m'as pas vu. C'est bon, c'est quand tu veux. Oui, oui, allez, marre-toi, marre-toi, marre-toi. Marre-toi. Oh, te crache à la gueule, moi. Est-ce que si elle va me voir, si je ressors ou pas? Ok, elle m'a pas vu, mais elle vient de poser un piège, donc on va rester en dessous. Elle est passée où? Par où? Elle pose des pièges de partout ou... Alors, là, il y a un... Ok, donc là, elle est pas là. Ok, donc on va ouvrir ça, il y a rien, ok. Là, il y a encore des balles de fusil à pompe. Il y a toujours rien. Il y a une poêle, quoi faire. Ça, c'est la clé pour le fusil à pompe ou l'arbalète, je sais plus. D'après Granit 2, apparemment, c'est le fusil à pompe. Okay. Oh, ta mère, je me cache où, là? SAB, je me cache où? Vas-y, viens, 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 vas-y, viens, on va se battre. C'est quoi, moi, je te brain? Je te brain? Je te brain, y'a quoi? Y'a quoi? Allez, moi, je me casse, maintenant. T'es brain, y'a quoi, même? Nya, je te crache dessus, je te crache dessus. Bon, par contre, faut vite se dépêcher, parce que là, elle est encore en train de me courir après. Ah non. Non, elle me court plus après. Bon, bah, on va vite monter alors avant qu'elle nous voie. Hop là. Oh, attention, toi, tu crois que je t'ai pas vu, espèce de sale fou. Ok. Oh, tu. Voilà, gna gna. Tu veux que je fasse ça? J'avais oublié qu'il avait un fusil à pompe. Et du coup, qu'il pouvait me tuer à distance. Taille 4? Mais c'est quoi ça? Mais les gars, j'avais oublié qu'il pouvait me tuer à distance. Bon, on va tout one-shotter, les gars, ok? Allez, hop, on s'en bat les couilles, on avance. Hop, allez, moi, je me taille par là-bas. Ok, d'accord, si tu veux. Non, là-bas, il y a le robot qui fait gnoc-gnoc. On s'en bat les couilles, au pire, on dépasse. Après, on va visiter un peu. Putain, il y avait une horloge. Oh là 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 là. Je vais aller là-dedans. Et il y a quoi de l'autre côté, par contre? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Je crois qu'il y a un couloir. Et ouais, mais ça fait du bruit, Azabé. Ah, mais non, en fait, on retourne là, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Bah, ok, on a attiré Granit de l'autre côté. Ça, c'est pas mal du tout. On va pouvoir voir ce qu'on peut trouver ici. Des conserves, ok. Une boîte enregistreuse, ok. La machine des Teletubbies qui m'a clairement vu, je vais pas te mentir. On va vite se casser là-dessous, hop là. Vas-y, nous, on se casse de l'autre côté. Normalement, il doit y avoir Granit de ce côté-là, vu qu'on a fait tomber quelque chose tout à l'heure. Oui, il y a clairement Granit, les gars. Je vais pas vous mentir, mais je crois que je l'ai vu. Oui, 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 oui. Par contre, niveau graphique, ils l'ont pas trop changé, Granit. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas amélioré un peu plus quand même. Arrête de taper des barres. Par contre, ça reste toujours et c'est en train de me casser les couilles. Par contre, le train, il me perturbe. Il y a un truc dans le train. Eh ouais, mais il y a l'autre trou du cul, là. Putain, il me casse la tête, lui. Oh là là, mais... On va repasser par là. F. Vite, vite, vite. Ça m'a l'air d'être bon. Laisse taper des barres encore. Je vais essayer... Les gars, je vais essayer de... Bon, toi, ta gueule, laisse-moi passer, Zabé. On peut pas... Oh non. Bah non, du coup. Bah non, 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 non. On se casse, on peut pas rentrer dans le train. On ferme la... Non, mais arrête de me suivre, t'as un petit toutou de merde. Voilà, donc là, on la brain. Hop, on va profiter qu'elle soit... Je rêve, il y avait deux granits, là. Ok, 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 donc on l'a pas du tout brain, en fait. C'est elle qui nous a brain, les gars. Elle est devenue plus intelligente que nous, là. Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Non, on me dit pas qu'il y avait le gars avec, aussi. Bon, et je fais comment, moi, maintenant, hein? Ils sont tous les deux là-bas. Elle a posé un piège. Bah, qu'est-ce que tu veux que je passe, là? Je suis trop gros, moi. Ah, ça s'est ouvert, là. Il y a une clé. Je sais pas à quoi ça peut servir. Mais elle pose des pièges de partout, c'est abusé. Mais t'as... Putain, mais t'as... Mais vraiment, mais ça, c'est le pire truc. C'est quoi, ça? Il y a encore une pièce. La cuisine. Il y a personne dans la cuisine. Ça, c'est chouette.
Ok, là il y a personne, on peut y retourner. Donc là on va profiter pour visiter un peu la cuisine parce que tout à l'heure on l'a vu vite fait mais on n'a pas pu regarder les au détail près. Là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Mais elle veut que je la frappe. Mais sérieux, non mais c'est quoi ça? Mais c'est... Les gars, je vais pleurer. Ok, donc on n'a pas pu tout... Bon, allez, casse-toi. Mais gros, il va en à l'heure, il va aussi vite que mon grand-père avec son déambulateur. C'est bon, c'est ok. Je vais ressortir du coup. Non, on l'a déjà visité. On n'a pas visité l'étage encore, les gars. On va y aller. Je crois qu'on est déjà allé à l'étage. Mais bon, on n'a pas assez visité parce qu'on s'est fait tuer par monsieur Papy là, avec sa putain de fusil à pompe de mes couilles. Putain, mais c'est un labyrinthe en fait, les gars. C'est. Il y a beaucoup de trucs à visiter en fait, hein. Ok. En vrai, cette map là, elle est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. J'adore, hein. Après, c'est assez creepy parce qu'il y a piano, ok. Donc le piano, le fameux piano. On peut jouer dessus pour attirer Granny. Et ce que j'ai fait, c'était vraiment con. Mais vas-y, t'inquiète. Ok, donc là, on a une chambre avec des munitions. Oh là là, je suis trop con. Oh là 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 là. Quoi, tu sais pas monter des escaliers, mon pote? Putain, mais c'est quoi ces escaliers de la S? Et là, c'est... Du coup, on est où? Sur le toit, d'accord. Ok, tu crois que Granny peut monter sur le toit? Si elle peut monter sur le toit, c'est que vraiment, c'est un mastodonte, hein. Parce que même moi, je galère à y monter. Au bout d'un moment, faut pas pousser, hein. Et est-ce qu'on peut... Oh, il y a une planche. On peut sauter si on meurt ou pas? Oh non, les gars, on a vécu la pire mort possible. Dernier jour, les gars. Dernier jour, c'est parti. Donc du coup, maintenant, il n'y avait pas 5 jours? Je crois qu'on les avait déjà fait, les 5 jours, hein. Ok, d'accord. Bah, on va y retourner, les gars. On va essayer de recontinuer à vivre. Visiter un peu le tout ce qui se trame. Non, là on l'a déjà fait, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'on va encore retrouver le bolide des Teletubbies. On va remonter encore en haut. On va visiter les prochains étages parce que là on va one shot par contre. On va direct monter, on va pas essayer de comprendre où est Granny et je sais pas quoi. Hop putain. Ce qui est bien c'est qu'avec la musique, même quand t'as le dos tourné, on peut voir si elle nous a vu ou pas. Ça c'est vraiment bien. Par contre comme ça, ça se voit qu'ils ont travaillé par contre sur la tenue parce que la tenue elle est un peu plus froissée comparée à l'autre. Par contre c'est quand tu veux que tu te casses quoi, genre ouais voilà. Ouais. Je sais pas par où elle est partie par contre parce que là c'est pile ou face. Soit je monte à l'île et je crève. Là c'est vert, ok. Une chambre. Ah bah oui c'est là où j'ai fait tomber la clé tout à l'heure. Du coup là on y est déjà allé donc on va directement partir là-bas. Et ok donc là on tombe normalement. Donc là ok donc là c'est je suis coincé en gros. Donc là je risque de tomber. Si je tombe je meurs ou pas? Non. Toujours le salon. On n'a pas vu encore ce qu'il y avait. C'est quoi ça? C'est quand tu veux. S'il doit se passer quelque chose c'est quand tu veux parce que là elle peut arriver à tout moment. Oh ok. What? C'est une sorte d'ascenseur Ok. Oh là là les gars, ce mannequin il nous suivra toujours dans les aventures de Granny les gars. Je crois que si on fait bouger le berceau il se passe un truc. Je crois qu'elle arrive en mode vénère ou je sais plus du tout. Il y a un truc là-haut. Oh mais c'est le vase du granillant ça. Quand tu le vase y tombe au début. Ok on va tomber. Merde non tu ne me vois pas. Oh là elle me voit très clairement là, elle m'a clairement vu. Toilette, je suppose qu'on ne peut pas tirer la chasse. Si, bah bien sûr que si on peut tirer la chasse d'eau. Putain mais je suis le premier à tirer une chasse d'eau alors qu'on est dans un putain jeu d'horreur, je suis vraiment trop con. Salut ma poulette, ça va? Peace and love, on est là hein. Voilà. Ok, elle a posé un pied juste devant. Tout, non, là ce... Attendez, mais les gars, on tourne en rond, là. Elle va arriver par quelle porte? Ok, les gars, on va la faire tourner en rond. On est des fous, nous. On joue avec elle, il y a quoi, maintenant? Par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Grandpa. Je sais pas ce qu'il fait. C'est bon. Putain, les gars, on tient, hein. Tout à l'heure, on tient, hein. C'est bien, ça. Oh, salope. Elle spawn vraiment au pire moment, elle, c'est fou, hein. C'est chiant. Elle a pas l'air d'être là. Je crois qu'on a fait le tour de à peu près tout, les gars, hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la maison. On a peut-être oublié quelques pièces, mais bon, les gars, je vais pas vous mentir que ça, c'est un vrai labyrinthe. Mais casse-toi! Ouais, Wesh, il essaie de nous buter, là. Il a clairement essayé de nous buter. Salut, je suis là. Eh ben non, je suis plus là. Haha, grosse merde. Mais vraiment, je suis un malade de remonter, sérieux. Ok, c'est bon, on a fermé la porte derrière nous. Maintenant, on va aller se planquer dans le placard. Ok. Oh, putain. C'est vraiment un bâtard, lui. Arrête de me suivre. Par contre, ce que j'ai remarqué avec Grandpa, c'est qu'ils ont gardé les mêmes bruits dans Granny 2. C'est ce qui est, je trouve bizarre. C'est que dommage qu'ils aient pas changé un peu les bruits. Ça ferait un peu nouveau quand même. Mais ils ont pas spécialement voulu changer le physique des personnages. Par exemple, moi, ils m'ont pas fait de jambes ou des choses comme ça. On est toujours caméra. Et donc là, il y a Granny. On va traverser, elle nous verra pas. Un aimant. Non, c'est pas un aimant. Je sais pas lire l'anglais, les gars. Je vais pas vous mytho. Ok, ça c'est bon. Oh, on peut aller dans le placard, en fait. Non. On peut pas y aller. Putain, mais ouais, quoi? Oh, je sais, putain, j'ai jeté l'autre truc comme un con. On va essayer de la brain. Vas-y, viens, viens. Voilà. Non, bah non, du coup. Faut pas demi-tour, j'essaie de te brain. Là. Oh non, mais casse-toi. Elle tombe toujours au pire moment, celle-là. C'est ouf, hein. Waouh. Oh non. C'est le moment, les gars.
aussi. Ah oui, d'accord, ok. Joyeux anniversaire, du coup. Oh les gars, la fin avec les lunettes de Thug Life, il m'a tué. Oh là là, j'aurais jamais cru qu'il ferait ça, les gars. Il met des putains de lunettes de Thug Life. Mais c'est des génies incompris, ces gens, dans ce jeu, hein, vraiment. Bon, ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour pouvoir voir l'épisode 2, les gars. Je et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Kierdon. Ciao.